Je vous ai commandé des crevettes buffalo parce que, avec la sauce à côté, ils le font ici pour moi. Je vous connais pas encore, alors. Vous vous rendez compte que vous ne me regardez pas du tout en ce moment ? Le score est très serré dans la partie, je ne veux pas le rater. Salut Jim. Allô. Salut. Jim. Bonsoir Jim. Bâtonnet au fromage en forme de cœur. Ma part, Marie-Lou, Marie-Ève et Marika. Merci, Mamelon. C'est très gentil. Amuse-toi. Et j'ai vu que vous aviez pourtant regardé Mamelon, mais je suis pas sûre si c'était ses boules ou son regard. Alors, votre travail, c'est réorganiser les placards. Oui. C'est difficile de trouver des gens qui ne savent pas organiser leurs placards. Comment ça fonctionne ? Eh bien, ce n'est pas qu'ils ne savent pas le faire, c'est qu'ils n'ont pas le temps ou ne le font pas de manière efficace. Est-ce que vous avez commencé avec des coffres à gants, puis votre affaire a évolué, ou... Écoutez, je suis désolé, c'est pas une réussite. J'ai pas eu de rendez-vous depuis 20 ans. Et j'en ai pas eu depuis la fin du collège. Vous êtes mariée étudiante ? Ouais. Moi aussi. Ah oui ? Oui ! N'est-ce pas un peu bizarre ce qui se passe ici ? Aussi bizarre que Hal dans Une créature de rêve. J'adore ça. Vous l'avez trouvé comme ça ? Ouais. Excellent ! Vous savez, je crois que je vais manger une de ces crevettes buffalo et je vais y mettre de la sauce. Excellent. C'est piquant, hein? Oh mon Dieu, qui fait ce genre de sang? Vous avez bu ma bière? Non, 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 je crois que c'est vous. Bouboule! Boulette! Ma belle! Apportez-moi de l'eau! Tenez, buvez de la soupe à l'oignon. Vous savez, je suis curieuse. Et parmi toutes les raisons possibles, laquelle votre femme a choisi pour vous quitter? Un cancer. Pardon. J'ai... En toute logique, j'ai déduit que vous aviez divorcé. Ce n'est rien. En toute logique, j'en avais déduit que votre mari s'était suicidé. Alors nous sommes quittes.